Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Déballage d'Odax, hein, c'est écrit, c'est la suite de ma commande. Ils l'ont envoyé en deux fois. Ça, c'est souvent d'Odax, hein, ils n'envoient jamais tout ensemble. Donc, on va voir un petit peu le contenu. Hop. Allez, tac. On va enlever la facture. Hop. Et on a un seul vinyle. Je m'attendais à deux. Je suis surpris. Je suis surpris. Bon, ça fait un au moins. Alors, il y a encore, parce que j'en ai encore un autre en attente. Ensturzen Noboten. J'avais en CD, j'avais pas en vinyle. Aschwiderhofen. Il était à un bon prix sur Dodax. Une vingtaine d'euros. Je crois qu'il y avait la facture quand même, parce que je m'attendais à deux disques. Et non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Bon, il y a encore un à venir, alors, hein, décidément. C'est des petits morceaux, hein, c'est des bribes de commandes. On va l'ouvrir ensemble. Il y a des bons titres hein, dessus. Veille, veille, veille. Let's do it à dada, même si les paroles sont un peu simplissimes, mais j'aime bien. Alors c'est un gatefold. Ah oui, c'est un gatefold. Ah ben, on va l'ouvrir complètement alors. J'aime assez la pochette. Hein. Un mélange de collage. Ce gros haut-parleur là au milieu. Ah, puis la pochette intérieure n'est pas en reste. C'est pas mal du tout. Donc deux disques. Je sais pas s'il y a des download codes, peut-être pas. Alors, hop, on va faire un peu comme ça. Tac. Premier disque. Alors, je peux vous dire les titres en allemand, hein, parce que mon allemand, mon anglais est déjà catastrophique, mais alors mon allemand encore pire. C'est un disque de 2000, c'est pas marqué. Bon, il marque plus les années. Hein. Deuxième disque, non, il n'y a pas de download code. Sympa, j'aime bien. C'est bien le côté industriel, je trouve qu'il est bien représenté. Et les paroles au dos. Alexander Acke, 2006. Hein, en 2007. Ça a été enregistré entre février 2006 et juin 2007. Ben, ils ont mis leur temps, hein. Un an et demi. Et donc ça faisait partie de la troisième, je crois, troisième série où on pouvait, comment ils appelaient ça, les fans pouvaient participer, moyennant finance, à l'enregistrement du vinyle, voilà. Pas du disque. Bon, ben, il y en a encore un à venir. C'est long, hein, parce que c'est des commandes qui doivent dater d'au moins 15 jours. Là. C'est long à venir, hein, Dodax. Il faut être patient. Ouais, j'étais persuadé que avoir les deux disques dans le même colis. Bon. Voilà, petite présentation rapide donc, de Ensturzen Noboten, Aschwiderhofen. Donc en bonus, on avait pour ceux qui ont participé à la phase 3
de l'enregistrement de l'album Holz Wieder Offen. Donc j'en ai fait partie, hein. J'ai fait les trois phases, les trois premières phases et la phase 4. Malheureusement, je n'étais pas au courant, donc du coup, j'ai pas pu y participer. Donc ça, c'était le double CD qu'ils nous envoyaient à la fin de la phase. Tac. Qui s'ouvre comme ça. Tac. Voilà. On a un petit autocollant, une Sturzen de bretelles. Toujours sympa. Le CD. Holz Wieder Offen. On a, alors, c'est quoi, un poster? Je redécouvre, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert. Donc, un poster pour la pub du disque. On va le dézoomer un peu. Voilà. Et on avait un petit livret. Alors, on va résumer. Voilà. Un petit livret, tac. Ouais, c'est trop zoomé, bien sûr. Voilà. Bon, dessus, on retrouve les paroles, mais il y a d'autres photos qui n'y a donc pas sur le double album. Qui sont spécifiques. Ça, c'est Alexander Acke. Et FM une rue. Pas mal de photos. Qui entrecoupe les textes, c'est plutôt sympa. Ouais, donc beaucoup plus de photos sur la version CD. Donc ben, c'est bien d'avoir les deux, hein, du coup, ouais. Tac, tac, tac. Donc c'est plutôt sympa. Et on avait également un Fridge Wells. Alors. En tant que participant de la phase 3, pour les participants, Sturzen Nobotten a produit et mis en proposé en téléchargement un morceau par mois. Et il y a des morceaux parallèles qui ont été appelés Joyeux. Donc G-Wells, ça c'est Free G-Wells. Donc c'est un DVD qui montre le travail pour ces trois joyaux. Voilà, un DVD que je n'ai jamais ouvert. Un sous-titre en allemand et en anglais. 44 minutes. Donc on avait ça en plus. Bon, ben c'est un DVD. Je vais pas l'ouvrir parce que ça reprend le ça. Et normalement, c'est sorti aussi en vinyle, ça, maintenant. Donc, mais le vinyle est difficilement trouvable. Voilà, c'était ce qu'on obtenait pour avoir avancé, en gros, l'argent pour le financement participatif de l'album Holz Wieder Offen. Merci à tous.